Qu'est-ce qu'une église? Thèse. Une église, c'est le Seigneur Jésus-Christ au milieu de ceux qui se rassemblent pour l'aimer et lui obéir. Le verbe rassembler se dit à propos des églises dans exactement sept passages du Nouveau Testament. Le mot grec est synago, source du mot synagogue. Un nom connexe, Ecclesia, souvent traduit par Église, se centre tant sur la présence physique d'une communauté chrétienne, tant sur le mouvement chrétien mondial. Preuves scripturaires 1. Une Église se trouve partout où un nombre quelconque de chrétiens se rassemble pour prier avec autorité de s'approcher de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2. De. Une église se trouve partout où les chrétiens prient ensemble, sont remplis du Saint-Esprit et annoncent la parole de Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 3. Une église est partout où les enseignants et les prophètes font de nombreux disciples chrétiens. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 4. Une Église se trouve partout où les chrétiens soulèvent et envoient des missionnaires pour atteindre ceux qui sont perdus. Ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 5. Une Église se trouve partout où les apôtres et les anciens entendent parler le Saint-Esprit et en informent les chrétiens. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Eux donc, ayant pris congé de l'Église. Aller rentre à Antioche où il remit la lettre à la multitude assemblée. 6. Une église se trouve partout où les chrétiens prennent le repas du Seigneur et dialoguent ensemble régulièrement. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour. 7. Une église se trouve partout où les chrétiens exercent le pouvoir de Jésus pour rechercher la pureté morale de chacun. Au nom du Seigneur Jésus, vous et oui, mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Conclusion Ainsi une Église n'est ni bâtiment, ni institution, ni organisation, ni, ni hiérarchie, ni dénomination, ni société, ni entité enregistrée par l'État, ni salle de lecture, ni salle de classe, ni service de culte, ni serment, ni chant, ni club de soutien au clergé, ni groupe de gestion immobilière, ni service d'aide psychologique, ni école, ni agence matrimoniale, ni salon funéraire, ni cathédrale gothique. Application Neuf activités qui feront de votre rassemblement une église authentique. Obéissez ensemble aux commandements de Jésus. Priez pour être remplis du Saint-Esprit. Prononcez la parole de Dieu avec assurance. Concentrez-vous à faire des disciples avant tout. Envoyez et soutenez de vos membres en tant que missionnaires chrétiens. Écoutez et parlez le Saint-Esprit. Célébrer régulièrement le repas du Seigneur. Dialoguer longuement ensemble. Rechercher la pureté morale de chacun.